à l'aéroport à Pékin et je vais prendre mon autre avion qui m'emmène autre part en Chine. Je continue donc l'aventure ici en Chine pendant encore 20 jours. J'ai passé 10 jours ici à Pékin. Occasion pour moi de rejoindre un autre pote, Mathias vient de me quitter. Donc j'ai refait ma valise et je vais la poser dans une autre ville plus au sud près de Shanghai. J'ai vraiment hâte de voir mon pote, j'ai hâte aussi de rencontrer ses amis qui s'est fait là-bas. On a un chouette programme. Démerder où je prends un métro ou alors je prends le subway. Je vais regarder ce qu'il y a de moins cher ici, je pense. Ça vient juste d'arriver. Je suis pas bien là. Je viens de prendre le métro pour retourner à la ville de. Enfin, pour aller jusqu'à Nanjing. Habituellement, dans le métro, c'est pareil à Pékin, tu t'arrêtes et tu passes un portique de sécurité là où ils vérifient ton sac, si t'as pas des métaux et tout ça. J'avais déjà sonné à Pékin, ils m'ont rien dit. Et là, je ressonne et là, ils veulent vraiment voir ma valise. Donc, j'ouvre ma valise. Et là, la meuf, la dame qui s'occupe de l'ordinateur me montre à l'écran un cran d'arrêt. Je lui dis, j'ai pas de cran d'arrêt, on s'explique en anglais, j'ai pas de cran d'arrêt sur moi, enfin, c'est quoi ce délire? On fout toute ma valise, je vous mets la photo là, de ce qu'elle a trouvé dans mon sac. Je vais pas y avoir des ennuis, mec, vraiment. Nanjing, 8 millions d'habitants, capitale du sud, province de Jiangsu. Ici pour retrouver lui, Julien, grand bonhomme, qui fait ses études ici à Nanjing. Que faire à Nanjing? Mausolée de Sun Yat-sen, tombeau de Xiaogling, la porte de la ville, le mur de la ville. Ici puis 10 jours, puis montagne jaune, ça. Ensuite, Hangzhou, ceci. Retour sur Nanjing, et puis Thaïlande. L'appartement. Salle de bain. Cuisine équipée. Voilà, bref, Nanjing, c'est parti pendant 10 jours. Et voilà, suite de ce voyage à Nanjing pour retrouver mon pote, pour retrouver Julien. Ça fait un mois et demi qu'on s'est pas vu. Et ça fait donc un mois et demi qu'il est ici, un peu moins. C'est très différent de Pékin, je trouve. En tout cas, c'est vraiment chouette d'être parti de Pékin parce que je trouve que 10 jours, ça faisait un peu long. Voir aussi d'autres personnes, c'est vraiment chouette. Tomber dans un groupe, c'est tous l'air d'être hyper sympa et tout, donc ça va être vraiment cool. Ouais. C'est le nom des ouvriers qui ont posé les briques. Sur ce pont-là, en tout cas, il y a des noms. Et en fait, l'emploi a exigé qu'ils écrivent leur nom parce que si jamais le mur se cassait lors d'une invasion et tout, ils retrouvaient les noms et couper les têtes des ouvriers. Aujourd'hui, il pleut à Nanjing. Et on a eu la bonne idée de visiter un temple en plein extérieur. C'est tout un parc, il y a tout un complexe. Il y a plein de bâtiments, plein de temples ici. Et apparemment quand il commence à pleuvoir ici à Nanjing, il pleut toute la journée et ça s'arrête jamais quoi.